Bon, Pascal, tu as fini de souder ton éprouvette là sur Ouais. les deux joints de cordon. On va faire maintenant les reprises en verre, mais avant de refaire les reprises en verre, on va compter les cavaliers. D'accord. Donc, pour les cavaliers, je t'avais dit depuis le début, on soude que d'un seul côté. On va souder que d'un seul côté, l'autre côté, C'est c'est pas pas soudé, soudé. c'est pour faciliter le démontage. D'accord. Bon, tu la prends ici. Là où c'est pas soudé, on va D'accord. venir taper. D'accord. Ça, tu le gardes bien pour les prochaines éprouvettes. On va venir meuler tous les petits cordons. Oui, pour retrouver des pièces saines. Ouais, pièces saines, déjà plus esthétique, pour pas se blesser. Ouais, oui. Déjà. Et après, on va venir faire toute la Le partie ici, bougeage. le gougeage, pour faire la reprise en verre. D'accord. À quoi ça sert de faire le bougeage? Bah, c'est quand tu as un défaut sur ta pénétration, comme ici, on voit que ça n'a pas été fusionné. On va venir creuser, si ça n'a pas été fusionné, on va venir creuser pour rechercher le cordon Ok, de d'accord. dessous. Le même principe que quand on meule pour faire les passes intermédiaires de l'autre côté. Alors, attention, là j'ai démonté la pièce, mais pour faire le meulage sur cette pièce-là, Oui. ici on est en position montante, donc le meulage sera fait en montant. Voilà. Et de l'autre côté, où elle a été faite En en corniche, corniche, je le suis meulage en corniche. sera fait en corniche. D'accord. Le bougeage en corniche, tout en position. D'accord. Tiens, Pascal, c'est parti. Ok. Attends, vous allez dans la tête. C'est parti. Ici, la montante. On va faire, avant de faire pour faire le gougeage ici, on va venir repérer avec un coup de pointe à tracer. Ouais. Donc on va servir de pointe à tracer d'un réglet. Ouais, parce qu'on ne voit plus, on voit une plus. Fois qu'on l'a meulé, on ne voit plus les cordons. Donc je prends l'axe de ma soudure où j'étais. Là, je vais repérer. Tout le trait qui est ici. Maintenant, on va prendre un disque à tronçonner et on va faire la démarque pour le repère. Oh. On va mettre un disque à meuler. On garde la saignée ici en montant. Et là, on va faire le remplissage. Ok? Avant, évidemment, il faut qu'on fasse un ressouage. D'accord. Voir s'il y a des défauts dessus. On va mettre le pénétrant, on va laisser agir. Le révélateur. Le révélateur. Et après, on regarde Contrôler. Si le pénétrant ressort à des endroits. Ça veut dire qu'on a encore des défauts. Et on va rechercher les défauts. Bon, Pascal, on a fait le ressouage. Il n'y avait aucun défaut. Tout à fait. C'était tout beau. Donc là, on va passer maintenant au soulage sur la passe sur le bougeage. On va reposer en l'air. La reprise en l'air. Tout à fait.